Bonjour tout le monde, ici Fred Laroche de Game-Focus.com en compagnie de mon collègue Nicolas Fournier. Nick, bonjour. Et bonjour tout le monde. Je te regarde devant ton image de Atlas 2 puis t'es quasiment peur, hein? Ces circonstances ont donné un petit côté spooky. Alors, vraisemblablement, tu nous parles de ce jeu absolument délectable d'un studio montréalais, canadien. Ouais, ouais. Donc, c'est quoi le nom déjà du studio? Red Barrel. Red Barrel, c'est ça. Donc, Atlas 2 s'est sorti tout récemment dans un espèce aussi de package dans lequel on a le premier, Atlas 1, l'extension et Atlas 2. Mais aujourd'hui, on va principalement focusser sur Atlas 2. Donc, parle-nous un peu d'abord pour ceux qui n'ont jamais touché à ça. Je veux un peu de contexte avant qu'on rentre dans le vif. Quel type de jeu, à quoi on doit s'attendre, puis ensuite nous expliquer qu'est-ce qui se passe dans le 2 exactement. Donc, on se retrouve un jeu, je dirais, d'aventure avec quelques petits puzzles là, qui nous permettent là, d'avancer dans l'histoire, hein, autant dans le 1 que dans le premier. On a notre personnage à la vue à la première personne. Puis qu'est-ce qui fait le charme de cette licence-là de Atlas, tout comme dans le premier, évidemment, là, notre personnage ne peut pas se combattre, il ne peut pas affronter les différents ennemis. Il est armé d'une simple caméra, très pratique. Là. Notre caméra a un genre de filtre infrarouge, là, oui, exactement, un zoom. Oui, oui. Très pratique. et évidemment, une lumière aussi, donc dans un sens. Oui, oui. Ouais, c'est ça. Puis on a une belle nouveauté aussi, on en reparlera peut-être tantôt, mais notre caméra en 2017, là, évidemment, est équipée en conséquence. On a plusieurs nouveautés sur cette caméra-là comparé du premier. Là. Bon, avant d'attaquer le 2, Atlas 2, est-ce que tu avais joué au premier? Oui, 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 la semaine auparavant. Donc, tout frais, tout nouveau. Ouais. Donc, OK. Donc, sautons dans le vif de l'action. On incarne qui dans le 2? Je sais que dans le premier, c'était un journaliste qui s'en allait dans un asile pour enquêter sur des phénomènes étranges. Puis là, il n'y avait personne là-bas, puis en théorie. Mais dans le 2, où est-ce qu'on se place dans l'histoire? Là? Et on est qui? Dans le 2, on incarne encore un journaliste. Évidemment, on n'incarne pas le même que dans le premier, là. Le journaliste s'appelle Blake Langerman ou Langerman. Mm-hmm. Il est accompagné de sa femme au tout début du jeu. Donc on arrive, on survole là, un endroit en Arizona qu'on connaît pas l'endroit exact. Ils vont enquêter, c'est des journalistes d'enquête. Ils vont enquêter sur la mort mystérieuse là, d'une femme enceinte. Et dès le début du jeu, qu'est-ce qui devait arriver? Il arrive. Notre hélicoptère subit un petit crash et on se retrouve là, au beau milieu d'une communauté pour le moins étrange, une secte religieuse peuplée de personnes un peu folles. Avec un agenda douteux. Ouais. Donc on se retrouve pratiquement au début, là, séparé de notre femme Lynn. Et tout au long du jeu, notre quête principale, là, ça va être de retrouver Lynn. Puis évidemment, de fuir le village. OK. Donc, on a toujours le même principe, Nick, une vue à la première personne. On a toujours une caméra, c'est ça? Oui, vue à la première personne, caméra. Évidemment, on est dans des endroits très noirs, fait qu'on va avoir besoin d'utiliser notre lumière assez fréquemment. Comme je parlais tantôt au tout début, notre caméra, là, elle a quelques améliorations. On est maintenant rendu avec un micro. Micro qui nous permet de suivre des personnages ou de capter des conversations qui sont un petit peu plus loin, pardon. Par contre, là, quand on utilise notre micro, là, notre batterie se consomme plus caméra, vite. Oui, évidemment. Parce qu'on sait rapidement. Que dans le premier, ce qui était à la base du concept, Nick, c'était qu'on devait courir les tiroirs, les closettes, les garde-robes, tout ça, pour trouver des batteries un peu partout pour remettre des piles dans notre caméra. Parce que sans caméra, on t'a fait pas très, très long dans le premier. Non, effectivement. C'est pareil dans celui-là. On doit trouver des documents qui vont nous donner plein de détails là, sur l'histoire, capter des conversations aussi. Puis autre nouveauté sur notre caméra, on peut enregistrer maintenant. C'est des endroits qui sont très scriptés. Là. C'est scripté dans le jeu. On n'a pas de liberté pour ça. Mais on enregistre certaines séquences qui nous donne aussi un autre point de vue de l'histoire, un petit peu plus de détails, parce que c'est intéressant, on peut écouter ces enregistrements-là, puis notre personnage apporte des commentaires, des précisions sur l'histoire,
C'est un peu long, par contre, à prendre l'enregistrement, mais c'est intéressant. Dis-moi, au premier, on voit beaucoup là, comme de notes écrites sur un dessus de comptoir, dans un tiroir, un peu partout. Dans le 2, est-ce qu'il y en a autant? Et si oui, est-ce qu'on est porté à les lire ou bon, finalement, on les laisse de côté pour qu'on continue l'histoire la tête baissée? Oui, il y en a beaucoup là, de mémoire. Il y a comme 18 pages x 6 documents là, qui mêlent les documents écrits plus les enregistrements qu'on peut faire aussi. Il y en a énormément. Je te dirais que je ne les ai pas toutes lues parce qu'il y en a peut-être environ la moitié de ces notes écrites-là qui sont des extraits de genre de Bible là, de la secte où qu'on est. Fait que ça, c'est un petit peu moins intéressant. Ouais. Mais par contre, là, les autres notes écrites sont très intéressantes, apportent des précisions. Là, des personnes en détresse qui racontent leur histoire, telle personne qui a perdu un être cher d'une manière assez tragique. Fait qu'on a plein de détails qui sont intéressants à lire, puis c'est jamais très long. Non. Une demi-page. Sans révéler d'éléments importants de l'intrigue, on veut quand même savoir, est-ce que ce jeu-là est aussi habile que le premier? Honnêtement, le premier avait totalement réussi à nous surprendre et à nous faire vivre un stress pour un paquet de raisons, combinaison de musique, ambiance, éclairage, des bons vieux classiques, là, des films d'horreur pour qui sait les manipuler correctement. Eux l'ont fait dans le premier. Est-ce que tu as trouvé que dans celui-ci, on avait bien utilisé ces mêmes codes-là où on les a un peu galvaudés, c'est-à-dire qu'on s'est habitué, puis c'est correct, puis on s'est habitué à tout ça, ou vraiment on y est encore? On retrouve la même recette gagnante que dans le premier, évidemment avec des graphiques là, au goût du jour. Là, on a des environnements qui sont très détaillés, des cadavres à profusion. Le jeu est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sanglant que le premier. C'est très gore. Donc on retrouve la même recette, combinaison de musique, de bruit de fond. Il y a un certain moment qu'on doit circuler dans un champ de maïs. Là, et c'est freakant au maximum, parce qu'on voit absolument rien, évidemment. Là, on est à travers les épis de maïs. On voit puis on entend les personnages nous chercher avec la lampe torche. Là. Donc, c'est la recette est là. Par contre, qu'est-ce que j'ai trouvé un petit peu dommage, c'est que le premier, ce qui est intéressant, c'est que on faisait plein de sauts avec les ennemis qu'il y avait. Il n'y avait pas énormément d'ennemis. Dans celui-là, là, il y a énormément d'ennemis qui sont encore plus traites, là. On meurt beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Puis disons qu'il y a une personne qui arrive pour nous courir après, ben là, on n'a pas le choix, on rebrouche chemin, on doit courir. Mais c'est... Je me permets ici d'intervenir, Nick, parce que c'est peut-être une limitation de ce jeu-là, Atlas, que moi j'ai trouvé quand j'ai joué au premier. Je me disais, je suis d'accord avec tout ça, avec tout le principe de la limitation qu'on a dans notre caméra vidéo, qu'on rentre dans des lieux hostiles, puis il y a des manifestations étranges, puis on a peur, puis on respire fort, puis t'inquiète, je comprends tout ça. On n'a pas d'armes, il n'y a pas de gun, puis tout ça. Mais dans la vraie vie, l'instinct de survie fait en sorte que même une chaise est une arme. Non, même la, fourche, la caméra vidéo est une arme. Je veux dire, si on m'attaque, je vais prendre la caméra, puis je vais fesser sur l'adversaire, je vais scraper une chaise, je vais arracher la patte, puis je vais vouloir frapper, mais j'ai trouvé qu'on était très passif dans tout ce qui nous arrive, un peu comme si on était, on subissait ce qui arrive, comme une supplice de la goutte un peu, on avance, puis c'est comme ça, puis t'es passif. Dans le 2, est-ce qu'on t'a toujours pas permis moindrement de te défendre? Tu sais, je prends l'exemple de Alan Wake. Tu te souviens d'Alan Wake, pour lequel c'était fucké un peu dans ce même genre-là, un peu contexte vraiment épouvantable, mais on avait la flashlight, la lampe de poche qui, quand on l'allumait, tout disparaissait, puis on avait un semblant de moyen de lutter contre ces démons-là. Non, dans celui-là aussi, on peut pas... Il y a quelques endroits, puis encore une fois, c'est des passages qui sont scriptés, avec des genres de QTE, là, de Quick Time Event, que tu vas peser sur X ou Y pour te débarrasser d'un personnage là, qui t'agrippe à la cheville, mais c'est scripté. Là, on n'a aucune liberté là-dedans. C'est ce qui vient enrager un petit peu. T'sais, oui, il faut fuir. Ça apporte un petit peu à l'ambiance du jeu, évidemment. Mais souvent, ben là, on va faire le tour. Les environnements sont quand même grands. Mais là, on va faire le tour pour essayer de trouver où qu'on va. Ah, ben là, c'est un petit trou en dessous d'une grille. Il faut ramper pour aller là. Mais ça peut prendre peut-être 10 fois avant que tu puisses trouver cet endroit-là. Fait que tu meurs
tu recommences. Mm. Là, tu vas explorer ça parce que les ennemis courent tellement vite que t'as pratiquement pas de marge d'erreur. Quand tu reviens après avoir été tué, ben faut tout de suite que tu te mettes à courir parce que le personnage est tout de suite en avant de toi. Fait que bon, ça, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Ça enlève le côté stress puis ambiance horrifique là, du jeu. Écoutez, j'ai fini le jeu puis je suis mort au-dessus de 100 fois. Là. C'est énorme. Là. C'est beaucoup. Pour un jeu qui est quand même pas si long que ça, dans un sens. Non, bon, on parle d'un 8-10 heures de jeu. C'est environ le double du premier. C'est quand même bien. Bien, mais mourir, mon point étant mourir autant non, jeu si court, c'est incroyable. C'est trop. Ça enlève le stress. Ça, c'est le gros point négatif que j'ai trouvé. Okay. Tu as un petit peu des essais-erreurs que tu n'as pas le choix de faire, là, à moins de suivre une soluce. Okay. Là. Je comprends. Alors, naturellement, on veut t'entendre. Toi, tu lui donnerais quoi sur 10 à ce jeu-là, à Outlast 2? Moi, je donne un beau 8 sur 10 à Outlast 2. On a la recette est là, ça fonctionne. Les nouveautés de la caméra, très appréciées. On a une histoire qui est bien ficelé, peut-être un petit peu moins que le premier, mais on a une belle histoire. Les deux genres de sectes qui sont là, qui s'affrontent, on s'intègre bien là-dedans avec notre famline qu'on retrouve. Notre personnage se fait maganer beaucoup. On a certains passages aussi très intéressants de vision. On se retrouve là, dans le fond, notre Blake se retrouve plusieurs années avant, dans sa jeunesse, dans le genre d'école secondaire. Fait qu'on a une autre histoire qui vient se mêler au travers de ça. Je dirais que ces passages-là sont aussi très, très, très stressants. Beaucoup stressants, puis ça apporte beaucoup à l'histoire. Puis on a une autre petite partie qui est super intéressante à suivre. Et qu'est-ce qui a moins bien fonctionné en conclusion? Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné? Ben, c'est évidemment là, le fait qu'on meurt souvent. On a des passages d'essais-erreurs qui sont dommages. Qui nous déconnectent, qui nous cassent le rythme, comme tu dis. Ça casse le rythme du jeu. Okay. Très gros point négatif, c'est ça. Évidemment, les environnements finissent toujours par se ressembler. Mm. Là, on parlait d'un 8-10 heures de jeu. Ben, on passe 8-10 heures à peu près dans les mêmes environnements à refaire toujours le même pattern, trouver un petit document, puis fuir. Bon. Peut-être que le jeu souffre un petit peu de sa longueur, mais par contre... Est-ce qu'on s'entend en conclusion, Nick, qu'un troisième sous le même modèle, ça serait peut-être trop? On est peut-être rendu à l'étape où ce jeu-là aurait besoin peut-être de nouveautés pour insuffler une dose Oui, probablement. Là, plus de nouveautés que ce qui a été apporté à la caméra, qui est intéressant quand même, là, mais plus de nouveautés. T'sais, au tout début d'Outlast 2, on a l'impression qu'on va faire l'histoire à deux, là, parce que notre femme nous suit un petit peu. Je trouvais ça intéressant, c'était le fun, là, notre personnage nous suivait. J'aurais aimé... Un semblant de co-op AI, là, on s'entend. Oui, je trouvais ça intéressant, mais par contre, ça ne dure pas, là, malheureusement. Okay. Là. Mais évidemment, pour un 3, il faudrait un peu de renouveau. La sauce soit brassée. Bon. Nicolas Fournier de game-focus.com, un gros merci pour cette critique vidéo. Vous aussi, on se retrouve prochainement pour une autre GFTV. Bye bye tout le monde. Bye bye.